sommes tout justement à Kichanga. C'est le commandant de tous les groupes armés à l'est de l'arrêt de Congo, VDP. Maintenant, nous sommes accueillis avec cette population chaleureusement. Mais nous sommes fiers avec notre Congo, surtout la République démocratique du Congo et la province du Nord Kivu en général. Merci beaucoup. Je suis l'assistante du commandant des opérations Les Oies Sauvages et de VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Communiqué de presse numéro 001/VDP/Les Oies Sauvages/2023. Nous avons appris par la voie des ondes et des réseaux sociaux les rumeurs selon lesquelles les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train d'incendier les maisons de Tutsi sur les champs de bataille. Par ces messages, nous signifions l'opinion tant nationale qu'internationale que ces informations sont fausses. Nous sommes d'ailleurs bien informés et formés sur le droit international humanitaire. Nous ne pouvons pas poser de tels actes si ignobles. C'est pourquoi nous condamnons avec véhémence ces personnes mal intentionnées qui veulent encore une fois ternir l'image des volontaires pour la défense de la patrie. Somme toute, nous appelons la population à la vigilance et continuer de nous faire confiance, car nous restons au service de la nation. Nous savons qu'il y a de tous Congolais qui ont droit de jouir de la protection comme tant d'autres Congolais. Vive la RDC, vive les VDP, vive le commandant des opérations, vive le commandant des VDP, le lieutenant général Guidon Chimirai Mouissa. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, c'est Congo Live. Nous sommes en direct avec Georges, combattant de l'IDPS. Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les Congolais. Vous allez bien? Nous allons très bien. Je vous vois sourire, Georges. Quelles sont les nouvelles? Effectivement, vendredi. Le vendredi 6 octobre aujourd'hui, comme nouvelle, on venait d'apprendre ce matin, les avant-midi, que la cité de Kichanga a été reprise. Elle a été reprise par la coalition de Wazalendo. Et ça nous égaye vraiment beaucoup et nous sommes très très fiers de ça. Cette population qui a été longtemps sous l'emprise de l'ennemi a trouvé sa liberté aujourd'hui. C'est bon, c'est bien. C'est une information qui marque réellement la vie des affaires de Goma. Parce que nous n'avions qu'une seule sortie pour quitter la ville de Goma, aller vers le Grand Nord. C'était la route de Kichanga. Malheureusement, qui était aussi coupée par les M23, où on faisait payer des $500, des $700 par camion qui traversait avec les chargements. C'est pourquoi, vraiment, c'est une allégresse, car la cité de Kichanga a été totalement libérée et nous en sommes très fiers. Mais comme si cela ne suffisait pas, on nous apprendra aussi, même toutes les médias ont relayé ça, même la localité de Tongo, la cité de Tongo, serait déjà entre les mains de nos forces coalition Wazalendo. Et c'est vraiment bon. Et ça commence déjà comme ça. Et nous sommes en train de réellement d'accepter que les gens de Rutshuru vont voter au même titre que nous. Qui combattent? Bon, selon les informations officielles, les sources officielles disent que ceux qui combattent, ceux qui font le front et ceux qui réellement empêchent les forces rwandaises de nous pénétrer, ce sont les coalitions Watoto wa Mugini Wazalendo. Les Wazalendo se battent contre l'M23. Effectivement. Et où seraient les FARDC? Les FARDC gardent toujours leur cessez-le-feu, hein? Parce que c'est une force réellement, une force technique, tactique et professionnelle qui ne peut qu'agir sous l'ordre du gouvernement. Et c'est pourquoi
Nous, nous sommes d'abord en train d'applaudir nos forces ouazalendes, c'est bon. Et je sais très bien que, aussitôt que les FCC le fait aussi, prennent fin, les FADC aussi vont entrer dans la cadence et ça sera la libération totale de l'espace sous l'occupation du M23. D'accord. Oui. Vous avez lu les communiqués de tout de suite là de l'armée, Sir Kibumba? Effectivement, on venait de les lire. Vous pouvez les répéter peut-être pour une bonne audition parce que... Vous avez les communiqués ici. Bon, au moins nous l'essentiel, l'avons... on retient, tu vois, que l'armée dénonce une attaque terroriste du M23 contre ses positions. Dans un communiqué signé par le colonel Ndjike, il précise ceci, je cite, Monsieur Georges, en violation de cesser les faits, les terroristes du M23 RDF viennent de tirer des bombes au mortier sur les positions phares de Sia Kibumba. Prenons la communauté internationale et les assez en témoin, a déclaré les porte-parole de l'armée Guillaume Tchiké. Donc on a tiré des bombes sur les positions des FARDC à Kibumba. Voilà un communiqué qu'on venait aussi d'apprendre. C'est malheureux comme les renégats qui ne savent plus sur quel sens se vouer. Ils commencent maintenant à attaquer les gens qui sont calmes, qui n'ont pas encore attaqué. S'ils veulent attaquer, qu'ils aillent aussi à Kichanga. Comme ça, ils vont s'affronter avec ceux qui sont prêts déjà à se battre. Et si maintenant, aujourd'hui, les FARDC commençaient déjà à délier leurs chiens pour aller vers l'ennemi, on dira encore que nous avons violé, c'est le fait. Moi, je dis d'abord merci pour nos FARDC, sagesse que vous avez tenue, sagesse que vous avez prouvée. Mais la deuxième occasion, je ne serai pas d'accord avec vous de vous taire. Vous ne devez plus vous taire pour la deuxième provocation. Et je ne serai même plus derrière vous si vous vous taisez derrière une deuxième provocation. Nous sommes en train de vouloir réellement observer le M23 disparaître. Et si une fois... Une deuxième fois, on vous attaquait, on vous provoquait. Il faut effacer les tableaux. Maintenant, est-ce que les jeunes vont avancer ou ils vont lâcher, Georges? Ils vont avancer. Moi, c'est long. Bon, moi, je connais presque toute la cartographie de la route Goma, Sake, Kichanga. Toute la route est déjà libérée. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'avancement? Quand on commence par Nduru, Kilolirwe, Petit Massissi, vous allez vers Burungu, même d'autres localités vers Kibarizo et autres là-bas, on a libéré pour dire que les Ouazalendes sont aussi déterminés. Et ils ont réellement récupéré toutes ces collines-là, même certains pâturages où était logé l'ennemi. Moi, j'ai dit merci. Ouazalendes, Mounastaïri, Tchoupa. Alors, est-ce que les Ouazalendes se sont battus ou bien ils ont pris juste les positions, ils se sont battus à mort. D'ailleurs, le bilan, c'est encore trop tard. Le bilan parle d'environ 60 éléments M23 anéantis, 60 appréhendés. Anéanti, neutralisé alors. Neutralisé. Si oui, en d'autres termes. En fait, un français simple, comme les français de l'école primaire, nous disons anéanti. Qui a compté ces gens? Laisse que je termine les statistiques. 27 capturés et plusieurs blessés. Ça, c'est le bilan de ça, l'école. C'est un bilan, j'ai dit, un bilan officieux. Qui a officialisé ce bilan? C'est un bilan officiel, pas officiel. Donc, okay. Officieux. Oui, pas officiel. C'est pas encore officiel. Non. Mais la question, quand on voit par exemple Kichanga, ceci, on a vu les vidéos, par exemple, du général autoproclamé Guidon, qui est dans la zone. Qui est Siri, Yamoulis en Europe. Comment il s'appelle l'autre, Karahiri, dans la zone aussi. Javier qui arrive triomphalement. Quand on voit Kichanga, mais M23 avait déjà quitté dans cette cité, on voyait les militaires burundais qui étaient là. Mon frère, les M23 n'avaient jamais quitté à aucun endroit.
Juste, je vous avais vu un jour balancer les images de Kibumba, soit disant que l'M23 venait de se retirer. Est-ce que c'était ça la réalité? Non. Et quand je parle de Nduru, là où il y avait d'ailleurs, là où était érigé leur barrière, qu'on appelait barrière de déclaration, c'était Nduru. Et l'EAC était, et puis après, dans le centre de Kilolirwe. Mais l'EAC au centre, Nduru, c'est à environ 200 mètres, il y a le M23 dans Kilolirwe, Kilolirwe centre, M23. Vous allez vers Burungu, M23, et toutes les collines qui surplombent sur toute cette route. Et maintenant, aujourd'hui, les AFA des ancêtres congolais ont dit, nous n'allons plus accepter que cette colonisation puisse continuer jusqu'à ce degré-là. Et d'ailleurs, je vais vraiment tirer l'attention de toute la communauté qui va me suivre. La cité de Kichanga, elle restait le grand verrou triomphalique du M23. C'est-à-dire, c'est là qui était logé la force politique du M23. Parce que Kichanga, c'est une ville à devenir. C'était là où il faisait toutes les réunions politiques. C'est là qu'il faisait toutes les politiques de la région, de Masisi Rutshuru. C'était Kichanga, un grand bastion. Oui. C'était Kichanga, d'ailleurs, où il y avait même des banques qui logeaient leur finances. Et aussitôt que Kichanga... C'est comme si c'est la zone même qui relie vers les petits massifs pour aller faire des minerais. Kichanga, après Kichanga, donc, juste après, à côté de Kichanga, il y a une route qu'on appelle après petit massif, il y a une route qui va vers Kaoussa pour aller déverser vers Rubaya, là où ils cherchaient les minerais. Alors, aussitôt que cette porte est fermée, voire même les grandes pharmacies vétérinaires qui soignent les vaches dans les pâturages, se trouvent à Kichanga même. C'est-à-dire que c'est la cité de Kichanga qui était réellement le milieu économique même de M23. Et pour vous dire que quand Kichanga est repris par nos Wazalendo, c'est le début même de la fin de l'aventure M23. Parce que après Kichanga, la grande deuxième porte qu'on pourra franchir, c'est Kiwanja Rutshuru. Parce que Kiwanja Rutshuru, c'est presque 2 milliers crestes, presque proches. Il suffit que Kichanga soit libéré. Et que Kiwanja Rutshuru soit libéré, le reste c'est fini. Même Bunagana n'a pas beaucoup de problèmes. Ces deux grandes agglomérations là suffisent seulement. Et maintenant, quand vous quittez Kiwanja Rutshuru pour atteindre Kichanga, il faut passer par un lieu qu'on appelle Tongo, qui est passé aussi sous contrôle aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous dire que déjà, je peux vous le confirmer que comme Tongo est déjà repris, toute la distance qui sépare de Kichanga vers Tongo, c'est déjà libéré. Monsieur Georges, les dernières informations que nous avons précisent qu'en tout cas, dans les Masisi, à l'heure actuelle, il reste que des zones occupées par les M23. Selon plusieurs sources qui sont sur le terrain, disent en tout cas qu'il s'agit juste d'une question d'État pour que les jeunes patriotes, comme les gens le disent, puissent déloger ces gens-là pour qu'on efface complètement l'M23 dans les massifs. Ça, c'est juste. Il ne reste que quelques petites localités, ouais. Juste qui logent le long de la route du côté est, du côté du parc. Il suffit que là, on fait le ratissage et c'est fini. Donc, le M23 sera déjà un adieu pour le territoire de Masisi. Sera bye pour le territoire de Masisi. Maintenant, il reste aussi le territoire de Rutshuru. Et moi, je vois seulement, quand Tongo est déjà repris, Rutshuru n'a plus une semaine, si on continue avec ce même rythme. Parce que après Tongo, et Tongo, c'est cette route-là, après la RN4,
cette petite route-là, le désert agricole, qui a toujours ravitaillé les M23 sur les lignes de front, en munitions, en armes, même en nourriture. Et quand cette route est déjà coupée, c'est fini. L'ennemi n'a plus de force. L'ennemi ne va plus seulement, ne va seulement que gérer la partie est du territoire de Routchour. C'est-à-dire, à commencer par Kibumba, Rugari, Rumangabo, Ndamugenga, tous ces lieux-là, pour ceux-là qui connaissent ces lieux-là, il ne faut que rester seulement avec la partie qui prend aussi frontière avec le Rwanda. Mais comme Tongo, dans le Bwito, est déjà libéré, là vraiment, grand travail, grand boulot. Et est-ce que y a-t-il encore les militaires rwandais dans cette guerre? Est-ce qu'on voit comment les gens? Mais vous-même, vous avez appris par la société civile que hier, avant-hier, même aujourd'hui, ils ont renforcé à passer par le parc, passer par Mikeno, Karisimbi. Comme vous l'avez toujours dit. Aussi, là, mais comment? Les petits sont déterminés. Les petits sont déterminés. Les petits sont déterminés. Est-ce que la main ne pas derrière ces petits? Je ne sais pas, je ne peux même pas l'avouer, je ne saurais même pas le dire. Ça, vraiment, je ne saurais même pas le dire. Où vient cette force-là de ces petits? Non, c'est aussi l'esprit. Je vous disais que les Ouazalons, c'est aussi l'esprit. Mais les petits étaient toujours là, les petits avaient le même esprit. Un état d'esprit. Quand une fois cet état d'esprit est réveillé, c'est fini, mon frère. C'est ça. Il ne faut plus s'arrêter. Je ne crois pas. Bon, à moins qu'il y ait d'autres mécanismes, parce que je ne suis pas militaire tout d'abord. Peut-être, mais à la ligne où vont les choses, avec la victoire que nous observons sur le terrain, je ne crois plus. Ce n'est pas l'armée qui a registré la victoire. Le peuple est congolais, mon frère. Le peuple est. C'est un palier de paix. Non. D'abord, l'IDPS, vous écartez, vous mettez à côté. Très loin. Ce sont les Congolais qui sont en train de savourer la victoire de leurs fils, qui sont en train d'infliger des grandes pertes. Je parle de ces fils-là qui sont sur le terrain. Oui. Ils sont venus ici de la Mouka. J'ai dit peuple congolais. Mais pas la Mouka, quand même. C'est ce que les gens disent, on voit leurs images. Moi, je n'ai jamais vu la Mouka. Et d'ailleurs, la Mouka. La Mouka est déjà enterrée. Vos combattants sont ici, Georges. Oui, ils me suivent. Ceux qui sont là, ce sont les gens de Moukweke, de Katumbi et les restes. Qui sont sur le terrain. Quel terrain? Qui sont au front. Ceux qui sont au front? Oui. Ceux qui sont au front, ce sont des Congolais. Des Congolais. Et même les gens de Moukweke, c'est des Congolais. Voilà. Mais aujourd'hui, les Wazalendu, ils sont réellement des affaires qui ont obéi à l'appel du chef de l'État l'année 2022 qui appelait les affaires à la formation des groupes de vigilance. Et qui aurait appelé maintenant ces affaires sous cette appellation-là? Formez-vous à un groupe de vigilance. Arrangez-vous derrière votre patrie parce qu'elle est déjà amoureuse, elle est menacée. Et voilà cette voix-là du chef de l'État qui a été obéi par ses affaires. Et maintenant, c'est-à-dire, moi je peux dire tout simplement que ces affaires-là sont en train d'agir sous l'impulsion de cet appel-là, formation des groupes de vigilance. Mais quand vous me parlez de Mukwege, Mukwege ne fait que réparer les femmes, mais à Bukavu, à Paris. Mukwege ne fait que réparer les femmes. Il va réparer les Katumbi ne fait que seulement vaciller, faire le commerce. Et j'espère peut-être il ne fait que seulement entretenir son équipe. Mazembe, bon, on le voit comme ça. Mais dire qu'il peut appeler les gens sur le front, bon, en tout cas, je donne ma langue au chat. Alors, la question, Georges. Oui. Voilà que l'M23 semble violer le cessez-le-feu. C'est quoi l'importance aujourd'hui? Parce que les affrontements se passent sous l'air impuissant, le LEAC. C'est quoi son importance aujourd'hui? LEAC. Oui. D'ailleurs, je l'avais déjà dit sur ce micro. LEAC n'a plus rien à faire. Et c'est une force, je dirais, une force inutile ici chez nous. Tout au début là, on a crié à l'EAC, on l'a d'ailleurs défendu dans plusieurs médias. Mais aujourd'hui, sur le terrain, l'EAC, la force de l'EAC est venue jouer le jeu de l'ennemi. Et voilà maintenant sur le terrain, elle est en train d'être confondue.
Elle n'a même plus même la force là, dissuasive, la force, même seulement la force des paroles pour persuader l'ennemi à ne plus faire la guerre. Mais encore même les Ouazalènes, c'est-à-dire c'est une force inutile, une force qui peut directement même plier ses nattes et retourner dans les pays. Est-ce que pensez-vous que si jamais cette guerre prenait fin, est-ce qu'on aura encore besoin de ces gens? D'ailleurs, vous venez même de toucher d'ailleurs mon cœur. Est-ce que réellement cette force a la valeur d'être? Est-ce que vraiment elle vaut la peine? C'est une force inutile. Imaginez une force qui, à sa première expérience, mais elle est en train réellement de se perdre sur terrain pour dire que c'est une force inutile qui ne vaut même pas la peine de son existence. Elle ne peut que seulement être effacée et qu'on reste seulement dans la région sans cette force. Parce que sa première expérience prouve que c'est une force qui n'a pas de valeur intrinsèque pour la région. D'accord, Georges. On va finir par un message aux forces armées de la RDC. Je ne sais pas s'il faut les lancer un message ou il faut lancer un message. Tout d'abord, le message du FRDC ne peut jamais manquer. Bon, ouais, moi, je vous ai toujours dit que bien, même si le FRDC quittait par exemple le terrain aujourd'hui, on va risquer de voir l'ennemi descendre sur Goma. Ça d'abord, on doit le reconnaître. C'est pourquoi moi j'ai dit FRDC, très bien, courage. Vraiment, c'est cette manière de faire. Merci beaucoup. Et c'est Dieu le seul, le Tout-Puissant, qui vous paiera de ce travail. Mais je ne manque pas aussi. Je ne manquerai même pas. Je ne peux pas même terminer ça pour autant souhaiter aussi un bon travail au Ouazalendo. Vraiment, bon travail. Merci pour ce travail. Merci pour ce sacrifice. Le peuple congolais vous est reconnaissant et le Dieu, qui, le maître des temps et des circonstances, connaît où vous allez mener votre objectif. Merci, et surtout Georges. Votre victoire. Merci, numéro de téléphone, votre WhatsApp. Oui, nous sommes au plus 243 oui. 9 79 27 31 68. Merci Georges, ça c'est une erreur de gloire. Hein? Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. On était avec Georges, combattant de l'UDPS, spécial Kichanga et Kibumba. On nous reviendra demain pour la suite parce qu'on doit suivre de près cette situation. Ok. Merci, bye bye. Merci.